tu es trop puissant. Quand tu parles, moi j'ai la chair de poule. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Bato, il y a un miracle ici. Viens. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Viens. Tu aimes les riz, pap, viens chez moi. Viens. Tu adores les riz, po, viens chez moi. Viens. Ah bon, il y a un miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Oh, frère, je peux. Pasto. Non, va prendre place, prends place. Eh, merci, Pasto. Mon frère, je peux. Oui, Pasto. La famille, ça va? Ça va bien, Pasto. Ok. Pasto. Oui, oui. J'ai quelque chose à vous avouer. Hein. Non, parle. Tu es confessionnal, parle, mon fils, parle. Pasto, c'est qu'il y a cela deux jours. Ça fait deux jours, Pasto. Que je n'ai rien mis dans mon estomac, Pasto. Deux jours. Frère Zépé, mais ne fais pas de ça un problème. Profite de la situation pour jeûner. Fais une journée, deux jours sans manger, c'est pas un problème. Tout ce que Dieu fait est bon. Il te met juste à l'épreuve. Ne perds pas ta foi pour si peu. Tu vois, frère Zépé. Oui, pasteur. Oh. Calme-toi. Tout ne suffit pas de manger. Faire une journée, deux jours sans manger, mais... Oh, ne fais pas ça. Ne perds pas la foi pour une question de nourriture. Jeûne et ça ira. Bonjour, Pasteur. Oh! Mais vous êtes en train de manger à l'heure ici? On avait un programme. Vous avez oublié qu'on a tourné paroissial aujourd'hui. Seigneur! Non, j'ai oublié! Non. Bon, je vais donc vous attendre. Prenez place. Comment ça j'ai oublié? Tu ne pouvais pas me rappeler, frère Zépé, que j'avais tourné paroissial. Parce que moi aussi, c'est l'oubli. Oh. Toi, Thomas. Parce que... Mais, puisque je suis en train de manger, vous allez m'attendre, hein? Ah, est-ce qu'on a le choix, parce que... Non, on n'a pas le choix. Vous avez simplement m'attendre. Pour que. On a fait ça tourner en tout dessus. Mais frère Thomas, mais pourquoi vous êtes aussi triste? Parce que ça ne va vraiment pas. Quel est le problème? Parce que je pense à la situation d'insécurité que traverse notre pays actuellement. Mais quelle situation exactement? Ah, tu parles de quoi? Je parle particulièrement de l'affaire de Kumba. Avec les kidnappings, les assassinats et tout. Boko Haram qui est monté de l'autre côté. Vraiment, tout ça passe. Je pense qu'il faudrait qu'on mette ça en prière. J'ai l'impression que les gens de Kumba ont perdu la foi. Pasteur, il y a de cela quelques années, les évêques se sont réunis là-bas pour prier. Mais ça n'a pas donné. Moi, je pense que ça, c'est une question de mentalité. Pasteur. Oui. Mais j'ai mes collègues à Kumba. J'ai le pasteur Mbondopondi, Aran Sumba, Koblikan. Je vais les appeler, là, ils vont me parler mieux de ça. Ils vont me parler. Ils vont me parler de ça, en fait. Mais Pasteur. Je pense que cette situation n'est seulement pas à leur niveau. Donc, en ce qui me concerne, il faudrait que nous aussi, nous nous mettions en prière. Oui. Pourquoi pas un jeûne? Ce serait toujours bien. Un jeûne même de deux semaines. Vous, hein? Tu en penses quoi, frère Zépé? Du jeûne de deux semaines. Pasteur, j'ai pas le choix. Je pense que la situation va s'arranger. Parce que notre Dieu est le Dieu qui ne dort pas. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Une Amen. Situation comme celle-là ne peut pas dépasser notre Dieu. Amen. Donc, mettons tout ça en prière. D'accord, Pasteur. Mais
L'heure ne fait que passer pour la tournée. On irait à quelle heure? Je pense que Frère Zépé et moi, on va s'avancer. On y va, non, Frère Zépé? Le pasteur va nous trouver au niveau de la voiture. Nous sommes venus ensemble, Frère Thomas. Tu es venu avec moi. Frère Zépé, moi, je vais m'avancer. Avance, accompagne-le, Frère Zépé. Accompagne-le, on va aller en tournée à trois. Allez-vous vous apprêter, j'arrive. Pasteur, moi, je suis d'après. Moi, je peux partir même comme ça. Frère Zépé, allez, j'arrive. Allez. Parce que je fais au moins s'ancrer les chaises. Ah, pas de problème. Ça y est bon. Mais, Pasto, vous ne trouvez pas que je dois aller garder le reste de nourriture ici? Oh, 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 c'est même quoi ton problème, non? Le temps que tu as fini de manger. Va plutôt m'attendre là-bas chez le frère Thomas. D'accord, pasteur. Nous sommes devant.